Coucou à toi, coucou à vous mes chers amis. Alors cette journée du 29 février, n'oubliez pas, 29 février 2024 est un jour particulièrement important et spécial pour faire un rituel pour les 4 prochaines années en demandant ce que vous avez envie pour votre vie pour les 4 années prochaines. Pour ceci, il vous faudra, donc comme vous avez vu, une assiette dédiée pour les rituels. Vous allez mettre au centre de cette assiette une bougie verte, dorée ou sinon une bougie blanche suffira aussi. Ensuite, vous allez utiliser des bâtons de cannelle. Il vous en faudra trois. Sur chacun, vous allez marquer la prospérité, l'abondance, la chance. Et avec ceci, vous allez former un triangle autour de la bougie. Le triangle signifie la stabilité, la force, l'intégrité, le bien-être. Et ensuite, vous allez rajouter à l'intérieur, donc j'ai préparé du riz. Vous allez rajouter à l'intérieur du riz dans le triangle. Ajoutez le riz. Bien sûr, je vais faire ce rituel. Il faut le faire aujourd'hui, si vous pouvez le faire, vu que c'est un jour magique, un jour spécial et unique pour les 4 prochaines années, comme je l'ai dit. Ensuite, vous allumez votre bougie et puis vous allez devoir prononcer, ça éclaire bien tout ça. Vous allez prononcer, frottez les mains quand vous faites une invocation ou une demande pour ce rituel et vous demandez merci en ce 29 février 2024. Et vous demandez ce que vous désirez pour les 4 prochaines années. Je désire rencontrer l'amour, le vrai, le pur, la bonne personne pour moi. Je désire l'abondance à tous les niveaux. Je désire ne jamais être en manque financier. Je désire l'abondance. Tous les vœux que vous désirez, demandez-les à l'univers. Je désire la santé aussi. Cette bougie verte représente aussi la santé. Que la santé soit avec moi pour les 4 prochaines années, ainsi que l'abondance, l'amour, la richesse, la santé, le bien-être. Merci, merci, merci. Pendant que cette bougie va se consumer, vous la laissez se consumer complètement. Ensuite, vous allez mettre tout ceci dans la nature, c'est-à-dire recycler avec le sens et l'énergie de vie. Voilà pour ce 29 février, pour ce petit rituel. Merci de partager, de commenter, de vous abonner. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas pour vos commentaires. Avec plaisir. Bon 29 février. Petite parenthèse, ma grand-maman est née le 29 février. Il y a bien longtemps. Elle n'est plus là. Je lui dis paix à son âme. Et elle s'appelait Marie. Et c'est grâce à elle que j'ai les dons aujourd'hui que je vous propose à travers mes guidances et mes rituels. Donc n'hésitez pas à venir vers moi en cas de besoin. Je vous embrasse. Bye.